La conférence administrative tenue à la préfecture ce mercredi 17 mai s'est attelée à la vulgarisation du programme d'action du gouvernement. Objectif, s'imprégner du contenu des grandes orientations qu'il comporte, de la vision du PAG, afin de préparer les cadres et les responsables pour une meilleure dissémination. Certains d'entre nous ont pris également part à des ateliers sectoriels pour mieux s'imprégner du contenu du PAG. Mais nous avons fait le triste constat que nos actions en direction des communes et surtout de nos communautés à la base ne sont pas concertées. Raison pour laquelle nous avons décidé que nous fassions ce jour, au cours de cette conférence administrative, le point des grands programmes et projets de développement du PAG est dégagé. Ceux qui sont retenus par secteur pour le compte des départements de l'Ouémé et du Plateau. Le programme d'action du gouvernement, selon le communicateur, se donne pour objectif la restructuration du tissu social, la restauration de l'image du Bénin, la relance de l'économie nationale, la consolidation de l'état de droit, et ce, sur les trois piliers essentiels. Le premier axe, c'est l'assainissement du cadre macroéconomique et du maintien de sa stabilité. Le deuxième axe du deuxième pilier, c'est l'amélioration de la croissance économique. Et le troisième axe, l'amélioration des performances de l'éducation. Pour le troisième pilier, qui comporte deux axes, il y a le renforcement des services sociaux de base et la protection sociale.